the recipe, then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okay. Agrippa, l'homme mourant, veut un tonique spécifique conçu pour le sauver. Ouais. Alors, je dis ça, je dis rien, mais... Après ce qu'il vient de me dire, là, ça pue les plusieurs fins. Ça pue le choix à la con à faire au dernier moment. Hein. La peur le submergeait à nouveau, le cherchait à nouveau, la bouteille devine. Ouais, c'est. Non, je sais pas, c'est. Tu vois, là, il. Quand il a dit. Laisse ta colère de côté et laisse. Alexandre ouvrir la porte. Ce qui veut dire que. Moi, je vois bien le truc en mode. Tu peux l'empêcher d'ouvrir la porte et puis bon, bah, tu le butes à tout jamais terminé ou un truc comme ça. Tu le laisses ouvrir la porte et il va dans son autre monde. Mais si tu sauves. Agrippa, ce que t'es pas obligé de faire d'ailleurs. Si tu sauves Agrippa, lui il va aller aussi dans l'autre monde, il va le buter là-bas, puis ce sera terminé. Ou alors tu sauves pas Agrippa et. Bah, tu vois. Il y a genre 3, il doit y avoir genre 3 fins différentes. Selon ce que tu fais. Ce qui pourrait être très intéressant, ce dit en passant. Après que les hommes aient enfermé le prisonnier, le rituel commença. La sensibilité de ce joystick, c'est ouf. Okay. Oh là. 15th of August, 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. The fuck? Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines! Leave the man cries. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more! Withdraw your shadow from my domain! Oui. Oui, mais non. Qu'est-ce qui vient de se passer là? What? Je peux plus courir. Que se passe-t-il? Je suis dans un espèce de souvenir, de rêve. Ok, j'ai plus de lanterne, j'ai plus rien. Ok, d'accord. Le néant.
Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Très bien. Ok. Pourquoi pas? Oui, bon, bah écoute. Bien. Pas de soucis. Eh ben, avançons. Ah bah en gros c'est ça, c'est ce que je dis depuis le début, c'est genre un rituel à la con pour faire en sorte que l'ombre arrête de suivre Daniel. Cette ombre qui s'est déclenchée à partir du moment où il a trouvé l'orbe, si j'ai bien compris le truc. Ok. À ce sujet, moi je pourrais vous conseiller un film. Parce que ça me fait penser à cette histoire de torture et compagnie. Attention, c'est très glauque. Putain, comment il s'appelle déjà ce film? Ah! Si, c'est Martyr. Le film s'appelle Martyr avec un Y. Attentions, Daniel. Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Oui, donc Martyr avec un Y. Et là, je tiens à dire cette phrase cliché mais vraie, âme sensible s'abstenir, mais genre vraiment, sérieusement. C'est un film qui est assez horrible à regarder, que ce soit par sa forme et par sa photographie, tout ce que tu veux. Je pense qu'on peut classer ce film comme dans la catégorie film d'horreur, mais c'est vraiment le terme adéquat, c'est vraiment c'est dégueulasse quoi, c'est glauque. Donc à part regarder si oups. Vraiment âme sensible s'abstenir, et je suis sérieux quand je dis ça. Il m'a loupé. Je tourne en rond. Tu me choperas pas. Aïe, il m'a chopé. Cachez-vous et patientez. Oui, là, merci du conseil, l'ami. Je m'attendais pas à croiser quelqu'un comme ça, moi. Ok. Donc voilà, Martyr. Pas obligatoire, c'est juste que voilà, ça m'y a fait penser en fait. Ok. Donc du coup, il va falloir que je trouve donc les trois orbes qui restent, ainsi que de la muqueuse, du mucus, tout ce que tu veux. Pas du mucus là, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mycète toxique, voilà. De la mycète toxique. Encore faut-il savoir comment la récolter, parce qu'apparemment il faut des outils bien particuliers.
C'est quoi cet endroit? C'est immense. J'y vais un peu au pif là pour être tout à fait franc. Je vais pas allumer, non, ça sert à rien. Attends, parce que j'en ai entendu un, apparemment il est pas loin. Dès que je regarde dans cette direction, tu vois, il m'a vu qui. Ok, il est là. Heureusement que c'est tourné de ce sens-là et pas dans l'autre. On voit quand même pas grand-chose. Hein. Bon, ben on va y aller accroupi, quoi. Pas le choix. Hein. Still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Ouais, on sent que... On sent qu'il sait de quoi il parle, le bonhomme, là. Effectivement, la roue des supplices. De son doux et joli nom. Ils ont attaché les extrémités des membres du meurtrier au rayon de la roue. Ils ont consciemment fait tourner la roue lentement pour que la corde attachée autour de sa jambe s'étire et lui fende l'os. Ils n'avaient plus la force de crier. Les deux hommes se regardèrent, saisirent le marteau et frappèrent la victime dans la poitrine au cours d'un ultime acte de pitié. Dégoulasse. Oh, parfait. Un autre morceau d'orbe. Et encore ce son de cloche qui est vraiment spécial. On va peut-être pas lui faire ça. Moi. Ah oui, non, mais d'accord, c'est pas le petit marteau en fait. En effet, c'est pas le marteau de PD. Je pense que le mec, il a quand même dû le sentir passer. Très bien. Du coup, on a trois orbes qui changent constamment de couleur, a priori. Ah, on a quatre, je suis con. Mais... sa texture et sa couleur changent constamment. Okay, on va remettre de l'huile. On a du sang, donc on a l'os couvert de mucus, là. Et donc, comme je disais, il nous manque plus que la mycète toxique. Pour le rituel d'Agrippa. J'essaye de repérer des cachettes en fait. Au cas où l'autre se ramènerait. En plus on voit rien au loin. Quand je vais psychologiquement. Ah, ça a pas l'air d'aller très bien. Ouais. Je préfère y aller en
en restant accroupi. Ouais, parce que déjà que le bonhomme il est scripté, donc si en plus je fous du bordel, on va pas le faire. Normalement il devra arriver par là, non? Je sais pas, on voit rien en même temps. Ouais, et clairement, voilà, il est là. Ok, j'allais dire, il y a clairement quelque chose par là, mais vu comment ça se troublait. Ouais, il est juste là. C'est pas mal ça en fait. Au début je trouvais ça un peu naze, le simple fait de regarder les ennemis en fait, ça te fait péter un plomb, mais en fait non, c'est pas mal, ça t'aide à savoir où ils sont. Comment je fais moi? Je peux pas aller là en fait. Tu vois là, il y a ma vue qui se trouble et tout. La bande son te fait comprendre que l'autre il est dans cette direction. Je ne le vois pas. Si je vois une masse, informe qui bouge, ouais, ok, il est là. Par contre, ouais, voilà. Plus tu le regardes longtemps, et plus ça pique les yeux. Ouais, mais il va pas me lâcher. Faudrait que j'aille en face, moi ou pas là. Ah! Ah mais c'est vraiment bien fait, ça fait mal aux yeux, mais vraiment moi ça me donne mal au crâne. Et je déconne même pas en plus. Est-ce que tu crois qu'il faudrait que je monte là-dessus? Calme-toi, je suis encore rien demandé. Oh, putain, c'est une horreur. Faut pas que je tourne la tête. Enfin, la caméra. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment bien rendu, là, cette histoire. Parce que c'est hyper désagréable, quoi, du coup. C'est là d'où je viens ou pas du tout? Non, moi, je viens plus là-bas. Allez, champ pipi, je sais que ce truc. Le tissu est assez souple et devrait pouvoir s'ébrécher. Est-ce que j'ai... Oh, cool. Glande de poison. La glande d'un champignon toxique. Ah bah voilà. Donc c'est le dernier ingrédient qui nous manquait. Parfait. Bon bah du coup je me suis trompé. Je pensais que... La mycète toxique, je pensais que ce serait l'espèce de chair rouge là qui infecte. Il y a une vache là. Ah, c'est le... Ah putain, c'est le truc de. Comment ça s'appelait déjà? Ah bordel, dans la mythologie grecque là. Ah! J'ai oublié, bref. Oui, du coup, je pensais que c'était la chair rouge là qui infecte tout le manoir, qui serait la mycète toxique, mais en fin de compte, non. Comment ça s'appelle, bordel? Ah, j'ai oublié. L'histoire du taureau là. Ah, bon, bref. Que tu fais chauffer, voilà, tu fais chauffer à blanc. Et il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui brûle vivant, quoi. Et je peux te dire que la chaleur doit être affreuse. Parce que ça, c'est de l'acier. C'est du métal, quoi. Bon, normalement, ouais, bon, on va dire que c'est un taureau, mais. Dans l'idée. Ah, et puis ça récolte l'énergie vitale du bonhomme. D'accord. Alors qu'on le forçait à entrer, le traiteur ne savait pas quoi penser du taureau de bronze. C'est seulement lorsque la chaleur du feu commença à lui brûler la peau et à lui retirer la chair qu'il réalisa que sa tombe était scellée. Ses cris perçants de douleur faisaient écho à l'intérieur de la chambre en laiton et se diffusaient à travers l'instrument complexe qu'était la tête du taureau. À l'extérieur, les hommes pouvaient entendre le taureau de bronze bramer.
C'est le taureau de... Oh putain, ça me fait chier d'oublier ce nom. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que là-dedans, tu mets quelqu'un. T'allumes le feu en dessous et t'attends. Comme ça. Ah ouais, d'accord. Je peux pas l'ouvrir. Bon bah vas-y, continue à cramer, monsieur, je te dis. Je pensais pouvoir trouver... Ah là. Ouais, si je peux y accéder. Voilà. Morceau d'orbe. Du coup, voilà, celui-là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un. Il m'en manque plus qu'une. Enfin, plus qu'un. Il va falloir que je m'y fasse. Bon. Allez, bordel. Ce jeu. Je suis bloqué dans le décor. Merci. Si vous vous rappelez du nom, bon, je l'aurais retrouvé d'ici là, mais ça me stresse de pas me rappeler du nom de cette machine qui date de la mythologie grecque. Enfin, qui date de la mythologie grecque, ça veut rien dire. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Qui est tiré de la mythologie grecque. Gréco-romaine même, pour être plus exact. Mais... Bref. Il me manque encore une salle. J'ai cru que c'était le dernier morceau, tu sais. J'allais dire, arrête, sérieux. On va te poser à l'arrache, tu sais. Je fasse gaffe à l'autre bestiole là, qui se balade, qui doit certainement se balader dans le coin. Faut pas être très loin de moi. On va aller par là-bas. Cet épisode sera long. Parce que je voudrais finir ça. Dans cet épisode. Ça, ce sera fait. Là, c'est la mort assurée. Hein. C'est ça. Oui. Le truc, c'est que dès que je vais me mettre à courir, l'autre, il va me foncer dessus, en fait. C'est pour ça que je cours pas. Ah, le pont, il est là-bas, ok. Je suis allé un peu trop loin, en fait, pour rien. Ok, l'autre, il est pas loin. Ceci dit, si je me fais buter, il y a des chances que j'atterrisse dans la bonne salle, après. Ce truc qui serait complètement pété, quoi. Du coup, par là-bas, logiquement. Ça va être la porte qui va être au bout. Oh, attends, il est dans le coin, là. Non. Ah, regarde, j'ai ma vue qui se trouble, là. Il doit être de l'autre côté. Il doit être en face. J'espère qu'il est en face. Ouais. Je pense qu'il doit être en face. Ok. Ok, donc le sarcophage. Le classique, j'ai envie de te dire. Pourquoi j'ai des...
Ah putain! Allez, prends-le! Pas vrai, ça. J'imagine qu'il faut que j'aille dedans. Mais sinon, ce serait pas drôle. Ah! Bordel. Alors, le faussaire resta immobile. Le cercueil avait été fermé, mais une faible lumière avait réussi à entrer à l'intérieur. Des milliers de pics pointaient vers lui, scintillant alors qu'il attendait que son corps se glisse juste pour un instant. Son genou s'est ouvert et il sentait le sang couler le long de sa jambe. Face à la douleur, sa tête est légèrement tombée en avant. Il lui a fallu du temps pour réaliser que son œil avait été délogé et qu'il commençait à couler. C'est horrible ce truc-là, c'est ignoble. Parce qu'en fait, t'es enfermé dedans, et au cas où vous l'aurez pas compris, et au cas où vous ne connaîtriez pas le truc, t'es enfermé dedans et t'es debout, donc là-dedans, hein, et tu vois, c'est plein de pics, des milliers de pics comme ça. Par exemple. En fait, voilà, le truc, c'est que voilà, t'es debout dans le bordel, y a aucun pic qui te touche. Ceci dit, c'est que le moindre mouvement que tu vas faire, le moindre genou que tu vas plier, va toucher les pics, c'était prévu pour ça, et du coup en fait, au bout d'un moment tu vas forcément fatiguer, tu vas forcément tes jambes vont commencer à lâcher tout doucement, et tu vas finir par crever dedans, et puis terminer quoi, c'est la violence ce truc. C'est la mort la plus lente que tu peux avoir je pense, parce que tu finis par te vider de ton sang, et tu peux rien faire pour t'en sortir quoi. Ah non, mais des objets de torture comme ça... Je vous jure, si vous avez autant de curiosité que j'en ai sur ce genre d'objet, je vous invite à aller visiter toutes sortes de châteaux en France. En France, on a énormément de culture là-dessus et énormément de patrimoine surtout sur le château et tout le côté médiéval. Je vous invite vraiment à aller voir. Il y a tous les châteaux ont une chambre de torture et il y a tellement d'objets qui sont complètement glauques. Et c'est vraiment intéressant, honnêtement. Enfin bref, arrêtez de m'étendre sur le sujet, parce que c'est bien vraiment glauque. Donc, nous voici donc en possession de tous les morceaux d'orbe. Les 6, normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a les 6 morceaux d'orbe. On a les 3 ingrédients nécessaires à la potion pour Agrippa. Donc, qui sont donc l'os couvert de mucus, la glande et le champignon toxique, ainsi que la fiole remplie de sang. Donc on a tout ce qu'il faut. Je sais pas où... est-ce que tu crois que je peux les combiner comme ça? Il est impossible d'ajouter quoi que ce soit directement dans le sang. La substance doit d'abord être purifiée. D'accord. D'accord, donc il faut déjà purifier le sang. Comment, j'en sais rien, mais il faut déjà le purifier. Donc... voilà. Deal with it. Donc ça, et bah écoutez, on est tout bon, je pense. Donc avant d'aller plus loin, si je vais juste sortir de cette pièce, parce que cette cloche commence vraiment à me rendre fou. Ah, ça va mieux. On va s'arrêter là, pour cet épisode, parce qu'il aura bien assez duré comme ça. Il y aura déjà une heure de vidéo, quasiment. Une heure, ça passe vite, mine de rien, je trouve, sur ce jeu. Je sais pas si c'est moi ou... quoi, si du fait que je joue, que je sois vraiment à fond dedans, etc. Dites-le moi dans les commentaires, bien entendu, mais une heure, ça passe vraiment vite. Je vois pas le temps passer, honnêtement, quand je joue à ce jeu. Ce qui est une excellente chose. Toujours est-il que, comme j'ai dit, je m'arrête ici, chers amis. Je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure, qui sera donc l'épisode 12. Je pense qu'on s'approche tranquillement de la fin, là. Donc voilà. Donc sur ce... des bisous à tous, je voudrais bien pouvoir refermer cette porte. Merci. Des bisous à tous, chers amis. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien, chers amis, c'est le plus important. Allez, bye, bye.